en biogaz, nous les utilisons à la fois pour la cuisson, pour produire de l'électricité ou du biocarburant. Voilà, nous allons tout à l'heure rentrer dans les détails, mais j'aimerais savoir un tout petit peu, est-ce qu'il y a une différence entre le biogaz et puis le gaz butane que nous utilisons très fréquemment dans nos ménages? Quelle est la différence fondamentale? Oui, effectivement, il existe une différence entre le biogaz et le gaz butane. Le gaz butane, il est traité dans les industries, dans les raffineries. Par contre, le biogaz, il est produit à base de déchets organiques. Le biogaz est un gaz que tout le monde peut produire chez lui, tant qu'il produit chaque jour les déchets. Et le biogaz, l'avantage, c'est qu'il ne noircit pas les marmites. Bon, on va arriver tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on obtient le biogaz? Quel est le procédé de production du biogaz et à quoi peut-on véritablement l'utiliser? Pour produire le biogaz, on recueille d'abord les déchets organiques. On construit une enceinte close appelée biodigesteur. Et c'est dans ce biodigesteur qu'on enferme les déchets. Et au bout de quelques jours, se produit une décomposition qui produit le biogaz. Le biogaz produit va servir à cuisiner, à produire de l'électricité ou à produire du biocarburant. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut également l'utiliser pour de l'électricité. Effectivement. Alors, vous parliez tout à l'heure de déchets organiques et autres, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met fondamentalement dans ces déchets organiques? Parce que l'auditeur, lui, va se dire, ben, déchets organiques, c'est quoi fondamentalement? Est-ce que c'est constitué des déchets que je fais lorsque je balais ma devanture, ou bien il faut aller chercher les déchets au dépotoir? Bon, comment, c'est quoi les déchets fondamentalement organiques? Les déchets fondamentalement, ce sont les déchets alimentaires. Quand nous cuisinons, nous avons certains déchets qui restent, ou bien après avoir mangé, il y a certains restes de repas. Donc, ce sont ces déchets-là que nous utilisons pour produire le biogaz. Alors, dans certaines recherches, on en vu également que les sels peuvent servir à faire du biogaz. Est-ce que c'est vérifié? Oui, effectivement, les sels peuvent contribuer à produire le biogaz. Alors, c'est par souci de gérer un peu la situation, c'est pourquoi on parle des sels. En fait, on veut parler des cacas, de façon vulgaire, mais vous nous excusez quand même le terme, les auditeurs. Oui. Alors, le biogaz, est-ce que tous les ménages peuvent se procurer le biogaz, ou bien c'est fondamentalement propre à une certaine catégorie de personnes, ou bien fondamentalement propre à une certaine catégorie de structures qui peuvent l'utiliser, ou bien tous les ménages peuvent avoir le biogaz? Tous les ménages peuvent avoir le biogaz, puisque chaque nous produisons des déchets alimentaires. Et ce sont ces déchets alimentaires que nous utilisons pour produire le biogaz. Donc, tant qu'un ménage produit des déchets alimentaires, il peut produire le biogaz. Alors, le biogaz, vous l'avez dit tout à l'heure que vous êtes également spécialiste dans l'installation des biodigesteurs. Est-ce que ces installations, ou bien la mise en place de ces biodigesteurs, est-ce que ça prend de l'effet ici dans nos contrées, dans nos communes? Est-ce que ça prend de l'effet, ou bien la population n'a pas encore une ouverture d'esprit sur ce procédé? L'installation des biodigesteurs est moins connue par la population. Il y a très peu de personnes qui ont connaissance qu'avec les déchets qu'ils ont, ils peuvent l'utiliser pour produire le biogaz chez eux. Donc, actuellement, il y a énormément de personnes
qui sont ignorants de ça, qui n'ont pas de connaissances par rapport à ça, parce qu'on n'en parle pas trop. Quand on parle des énergies renouvelables, généralement on fait référence au solaire photovoltaïque, mais la biomasse, le biogaz, on en parle très peu. C'est maintenant que certaines personnes arrivent à prendre connaissance de cela. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? C'est vous qui êtes dans le domaine, c'est vous qui maîtrisez le domaine, c'est vous qui savez que ça peut apporter quelque chose à la population, à l'environnement, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Bien sûr, nous en parlons, sauf que pour le moment, nous ne sommes pas encore allés sur toute l'étendue du territoire pour en parler. Donc nous avons commencé par parler dans certaines zones, même sur internet, nous avons commencé par en parler et des gens commencent à prendre connaissance de ça. Sauf que bon, ça va prendre du temps pour rentrer dans les habitudes. Ok. Alors nous savons que aujourd'hui il y a beaucoup de ménages qui recourent à l'installation des latrines modernes, des latrines toutes là. Est-ce que le procédé de la mise en place des biodigesteurs peut se faire également à partir de ces latrines modernes, ou bien il y a un procédé atypique et un procédé vraiment réservé à cela? Et on peut utiliser les latrines, les fosses septiques pour produire le biogaz. Sauf que le technicien qui doit exécuter ces travaux doit être formé, doit prendre connaissance de comment travailler sur le terrain pour que le client soit satisfait du résultat. Alors nous allons de l'autre côté de la technique et on revient juste après. Alors, je rappelle que nous parlons aujourd'hui du biogaz, de la question des énergies renouvelables. Nous n'allons pas tous les temps parler seulement du solaire, parler du vent, parler de ces énergies renouvelables que nous connaissons de manière récurrente. Mais ce soir, nous voulons également parler du biogaz qui est très méconnu de la population, très méconnu de tout un chacun. Et nous avons au plateau ici M. Adjeyi, ingénieur en électrotechnique, également installateur des panneaux solaires photovoltaïques et des biodigesteurs. Alors, nous en venons aux avantages du biogaz. Quels sont les avantages pour la population? Et en même temps, est-ce qu'il y a des inconvénients dans l'installation, l'usage du biogaz? Oui, il y a des avantages. D'abord, vous pouvez produire le biogaz chez vous tant que vous avez les déchets. L'autre avantage, c'est que lors de la production du biogaz, vous produisez en même temps un engrais naturel appelé digesta que vous pouvez utiliser dans l'agriculture. L'avantage du biogaz, c'est que ça contribue à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Comme inconvénient, il faut obligatoirement des déchets. Donc, en temps de famine, ce qui est peu probable d'arriver, on ne pourra pas l'utiliser pour produire le biogaz. L'inconvénient, si il est mal utilisé ou il est mal exploité, ça peut engendrer des effets nocifs sur la santé de la personne. Raison pour laquelle ça doit être installé par un technicien qualifié. Voilà. Et est-ce que il y a en fait des inconvénients du point de vue incendie du côté du biogaz, comme on en connaît de façon récurrente au niveau du butane et autres? Le biogaz est effectivement explosif. Mais pour que ça soit explosif, il faut qu'il soit dans une atmosphère complètement fermée où ça nécessite aussi une grande température.
ce qui réduit un peu la probabilité que ça se produise souvent. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, s'il est conseillé hein, de faire recours au biogaz ou bien de faire recours de façon générale aux énergies renouvelables, c'est pour protéger notre environnement. Et quel est l'impact environnemental que le biogaz a hein, sur la société et puis sur notre vie de tous les jours? L'impact environnemental que le biogaz a sur la société. Si nous prenons le cas de nos parents qui vivent au village, beaucoup de personnes se déplacent pour aller chercher du bois pour faire du feu. Et ça dégage du CO2 qui est nocif d'abord pour la santé et aussi pour la couche d'ozone. Avec le biogaz, ils ont les déchets à leur disposition qu'ils produisent localement, qu'ils produisent chez eux, ce qui a le bénéfice de réduire le temps de cuisson, ce qui a le bénéfice de préserver aussi leur santé, ce qui a le bénéfice aussi d'éviter la pollution de l'environnement et la déforestation. Voilà. Et au-delà de cet aspect de protection de l'environnement, est-ce que le biogaz est salvateur pour la protection de l'écosystème? S'il vous plaît. Est-ce que c'est fondamental pour la protection de l'écosystème? Parce qu'il faut quand même faire recours à d'autres, hein, à d'autres matériels pour pouvoir drainer ce gaz-là. Et on sait qu'on est en train de faire la promotion de la protection de l'environnement, mais quand même, on est obligé de recourir un tout petit peu de dégradation de l'environnement pour pouvoir conduire ce gaz-là vers le minage, n'est-ce pas? Oui, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut utiliser les déchets, mais ces déchets-là vont se dégrader dans une enceinte appelée biodigesteur. Donc, après que ces déchets sont dégradés, ils produisent à la fois un engrais naturel. Donc, après décomposition, nous récupérons cet engrais naturel qui est appelé digesta, pour l'utiliser dans l'agriculture. Voilà. Alors, si aujourd'hui, hein, une personne veut mettre en place un dispositif de biogaz chez lui, est-ce qu'il y a certaines dispositions, est-ce qu'il y a des conditions à respecter, des conditions du point de vue technique, du point de vue hygiénique à respecter hein, dans les ménages ou bien dans l'entourage pour vraiment être éligible à la mise en place de ce dispositif? D'accord. Pour être éligible, il faut d'abord produire des déchets alimentaires. Et la quantité de biogaz produit dépend de la quantité de déchets que produit cette personne. Donc, si un ménage souhaite qu'on lui installe un biodigesteur pour produire le biogaz, nous faisons une étude pour évaluer la quantité de déchets qu'il produit par jour. Et c'est en fonction de ça que nous dimensionnons la taille du biodigesteur à lui installer. Et si aujourd'hui on veut installer le biodigesteur pour alimenter toute une maison, quelle quantité de déchets cette personne peut produire avant de pouvoir avoir accès à ce biodigesteur? Alimenter toute une maison, c'est un peu vague parce que dans une maison, il y a plusieurs personnes. On doit d'abord connaître le nombre de personnes qui sont dans la maison. Nous devons savoir pendant combien de temps ils cuisinent par jour. Il y a certains qui cuisinent deux fois, d'autres qui cuisinent trois fois. Donc, c'est en fonction de ça que nous faisons des évaluations pour dire que pour tel ménage, il faut peut-être un biodigesteur de 2 mètres cubes, de 3 mètres cubes ou de tel mètre cube. Et dans un ménage, par exemple, on doit utiliser le gaz pour la cuisson, le gaz pour certaines autres activités. Cette installation, est-ce que ça peut se compléter avec le gaz butané? Ou bien, typiquement, lorsque vous faites recours
à l'usage du biogaz, vous devez fondamentalement rester avec le biogaz et ne plus en faire un mélange ou bien mettre les deux ensemble. Vous pouvez décider qu'on vous installe le biodigesteur pour dépendre totalement du biogaz. Comme vous pouvez décider d'utiliser le biogaz et d'utiliser le gaz butane. Cela va dépendre du client, de ce qu'il veut concrètement, et nous lui ferons la proposition appropriée. Voilà. Monsieur Adjaï, qui nous parle du biogaz aujourd'hui dans notre émission ici. Alors, comment est-ce qu'il faut vous retrouver pour pouvoir installer un biodigesteur chez soi? Et quelles sont les règles? Un biodigesteur, ça peut coûter combien, en fait? Un biodigesteur, le coût dépend de la taille de l'installation. Vous pouvez investir 150 000, 350 000 ou plus. Ça dépend de la taille de l'installation. Et pour donner la taille, nous nous faisons des études. Nous allons vous poser des questions. Là où vous habitez, la quantité de déchets que vous produisez par jour. Nous allons vous demander d'autres informations techniques, professionnelles. Et c'est en fonction de ça, nous allons faire un dimensionnement et vous proposer une solution adaptée à votre besoin. Pour me retrouver, je suis à Vaposito et je suis disponible au numéro 98 69 08 44 et sur le Togocel 90 31 02 01. Voilà. Et il y a une dernière question avant de passer à la rubrique Santé verte. On sait que beaucoup de ménages aujourd'hui veulent économiser fondamentalement sur les dépenses concernant le gaz et autres. Alors, si la personne dépense pour le biodigesteur, est-ce que c'est de façon illimitée ou bien il y a d'autres services d'aménagement à faire par rapport à ce dispositif et qui va encore lui faire dépenser? Parce que le gaz, c'est vrai, le gaz butane, il faut renouveler à chaque fois que ça finit. Ben, la personne va vous dire, voilà, je vais recourir au biodigesteur pour pouvoir économiser sur les fonds. Mais si, à la longue, peut-être chaque mois, il faut encore des aménagements, là, ça devient un peu la même chose, n'est-ce pas? Au niveau du biogaz, nous faisons les maintenances, mais ce n'est pas chaque mois. Ça peut être chaque 6 mois ou une fois par année. Si le client respecte les consignes que nous lui avons données. D'accord. Eh bien, c'est très intéressant, hein, l'installation du biodigesteur pour avoir du biogaz chez soi et économiser sur les dépenses en matière de gaz, en matière d'électricité, en matière de combustion. C'est très important. Eh bien, nous allons aller à la rubrique Santé verte et nous revenons juste après en version Mina avec notre invité, M. Adi. Eh bien, bonsoir, bonsoir auditeurs, auditrices, ravi encore une fois de vous retrouver dans la rubrique Santé verte. Joël, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, Mia Pompokoulou Bilharziose. Bilharziose a obayone tchambé schistosomiase. Que enyi verde que nona anigbame egboboto imponele miabento mefi région tropicale okulo subtropicale ome eye Africa vevere okwele e le nkukome a okwebe na chambe e le nyi eto fekwa ke esona l'envio boa le soto vuna mia probe atike sibedwa soto vuna e le nyi to fekwa le ihie klogodwa mewa kwa enyi enua gande ke et donna vevé na me
ne leoya ola vide kwa mien klobe bilaziuza e lewa me sibe 20,000 sibe soy 200,000 nene e pechape kwa le organisation mondiale de la santé on va kobe na benko yodo la di enu monko yola wola so wole kebe toa kwa le 60 millions de personnes yo ok o wole kebe toa na le 2014 me vai pour amia globe et toi elle est Amérique latine tiens elle est moyen orient et balasi me tiens et gbogbo toi amia globe et 80 à 90% au ponele africa le kebe do avana mero et tutugma o la kwesi bebe et na no toto fiko o mia be truko le nyantia et noa et mia be ngoti me alo to me o la no kwebe na ne elle ehun la no toto fun et o la ba kwebe keke si be 2 semaines solo inenia olano pobe fièvre lano vanai olano kupencha eye lamelano vio eye nya globe cystosomiasa lekeve doalero e doela pa veme ye ne ele atoka vinawa la pobe na be kafla atomelano srao ye ehulano no nya be no ingodoa olano po ehuleme eye atomi chan an of you e wonina e ko de bede na to etiedi vo amira ko lebe e do abe comme e forme chronique amia nya ko be na be e nya be fo kudo e nya be fo abe te pere gbanon na yi ko gran be na e mato e pato megali mhm e won e nyi te pere le nya be fo amia e pele na fun chan ve vere ke gba kona le kebe e veve se si agba ina ji e ve gon le yin ko urogenital e won mi la no po ehun be nu o je daji do ona no po hun le me e ye e ve nanande ke ala po ba di do do pe la no fe o fe sia la no fe o e ali chan la no fe o po ami le problème on observe également des retards de la croissance et du développement cognitif chez les enfants atteints et non soignés et de et so il dit tiens bien problème et ben l'envie et ce non encore et non ainsi vivi mais l'eau douce et donal a mebe la mais tout la mia bag passé l'eau douce là c'est l'eau sale le bon, en fait, bon voilà, voilà. Mais si vivi c'est vivi voilà et tonan fun dona de vio e ga mi chamia no pobe sibe ga mi gbale ya chan e amoni no lebe na wa be vio e go mi binko mi abe de pessimite anyi gban fide pe we po de via o la kokko de via ve na nyo e go mi be e le video le anyi gban mi mi asi ke be le vio nyo e ye o never do le ke be e do de via o mi anyo o la te pesi gbe mi e ni tete o de via vo mi tete o ke ma nu bu e to pe le ta to so le ke be no mi kwa et le ke eyi naijiro e do na si do me be la me ne el e to e mi a probe na vera do la me na wa e do na si de la me ye gbogbo to wa e so na te mi a probe te pe ko o mi tra ro ko o le e to gbo ye mi o yi na ngo do la fi de pepe e won cha nu ko tro do mi a be nya po an e a fi de pepe mi a fi de pepe ko la ngo do lo pa mo o ve won le ke be nu o le fun po e na na be nko e le kebe ne si si bele ke si jafifia e si la plo le kebe nu so be koro le kebe e to ya me ke ab de vicia de via mi kona ba mo ina ve le na le kebe to po amye so pore nu si be nya be zua ni na a me gboboro le e zio be li po ale fun vo a mo va nya na nu le kebe zua me chan ke mo amro va na va le ne ne o le o le kebe nu ton gbe le ntiare he ton la ve me po le ke pardon les que mi la wedo so atitre ntio et atike le ne médicament le que o la so so titre do be apa vunti et mi agba pe chambe nan ko so yi du ko popo be enya o gba mi la ko be na be o le wo bibli abe na bo la we chama didi a me supon ke le ke be toi e go me be le ni et to fe kwasi be le ke ngule san le ye progoda no po e o pati ke si be do avo ko le o lo ava so ku do itia wa o le we chambe na be ba ni nde ke wa po be na be e si le pepe ke o no na fiwa mia no le ku do anti e ye mia ho be na mia be e si lulu ko la na ni na mia mia to si vide le wanti ku su be na ngba no hle e to bu u lo so no va na mi o e ye le et bien globé so il copé au collé et yeme vidéa et le kebe enwala et bilarios ala te don pona mo ke o manya kaba bena le kebe to abenyo
Merci beaucoup, Amé, pour ces informations sur cette maladie vraiment dangereuse que beaucoup de monde ignore dans nos communautés. Nous allons marquer une courte pause et nous revenons juste après. Bon, nous allons attaquer le reste en minant. Essentiellement, le mot technique m'ont dérangé. J'espère bien que vous allez faire un petit effort. Tout dit notre vie, les radios, la grâce, et moi dit, et autre gâton, yéyaye, minyebe, né, et pour autre gâton, soleil, quoi, mi, pour l'imposo, kudo, et nous, contre domia, bé, et nia, ou un petit, quoi, autre ya, et mi, le pour l'imposo, kudo, et nous, ou vévé, l'inti, et doa, minyebe, souka, gade, mes fia, miabe, et nous, contre domia, ou les blés, soudo, et yé, non, son, que ce soit, nuria, et mionto pour bannir mes kewe les blés et des kebemouan vivre toi sans pour bien mes enzans comme on a et bessiakbe les arômes et bessiakbe toi ouais nana bé les kebemouan wa ou les blés bessiakbe quoi yo yo les va bé et nous connu et dit les bé nous cinq ouais nous vont noa qui on a les vous bien avec énergie renouvelable là mien à nos enwo et mi pour un peu sur kudo les kayanti les rois mais les filles et jedi keleni et donc kusu be nous sien bois autre ya midi la pour poso kudo et bou chanti et ye de kebe et dit be mise ke mu for no wa et bou kenti mi le pour poso kudo le ni pedido allo nous koni déché qui voit au sonné so wona et gaz et mi ona be bio gaz le you vous bien mi akwa enti mi le pour poso kudo autre ya ye il faut que les deux et nous bon maintenant mia et les nifofo a dit et ni et ingénieur en électrotechnique et y bigba où on a panneau solaire un petit do et y bigba on a et biogaz ya be un petit do quoi y mille holé quoi mais les filles ou et trois ya fofo a dit et mia wado ils ont les kaké les mia des bien mais avec kaka et y ont et mille pour poser pour le biogaz un petit biogaz à mikey benio yo gaza enyi gaz yeke mi ona kudo gbeji dowa emi so gbeji dowa mi so dona nle me corona le français gbe mi be bio digesteur mi fiaye mi so de menenia nkeke lo me kwa e trona le noame
benana gaz que mi on avait biogaz. Et fichere et biogaz ba do et gaz que mi zona kamisha mi zona la rome mi si gari et vous vous tout tourner les aimer gobia. Vous vous tout tous les gaz à me vient de non le gaz pour river. Gaz pour le river. Wan ke yenbe biogaz a on to la te we la rome. Yen be be di dobe nu ogbe la si opa o la te wo gaz a la rome. Voa gaz ke mi on ave gaz butan ke non a tu pa me. E ya yo vo we we sova o la ve ple. Et non et mi be e gbe a ce soit les bé mi ale bene e ko kontro do mi a yan le bene mi be environnement. Et biogaz ouare et gomme keye et nous contrôlons de mien au bon à l'émeu alors et de kebet bena rumianti mais la technique béton tibé va télé béné et nous contrôlons de l'eau le biogaz à si belle qu'un bien bédido et missona et magnobé les copes aux mains n'y avait du loa ou innové son ati. Au sauvadonazo et au dozoan et tunazizo que blenanou la me betobe la me senti va biogazia yo besog be du doa ou be wepa magba tuazizoan que la blenou lentio ou le tien yo so be du doa que le globe et le poudi environnement au bateau le sort be du doa les uns sont le preuve les ou gaz et yon et biogaz a rédiqué ou on est dans les amis bleus fibé à mentolaté ou elle est à Rome alors et on tolaté produit la Rome et mille blancs et bédido yo so on a les kébé et moi de quoi on est doué qui non mais qu'est meillé ou on est le yo bewa ou biogaza ni tunani le corona bi biodigesteur à mon collé et doit homme we monji ti no ka won to ozana nono melo so wona e go won a lo so tuna no ko yona be biodigesteur a e o so biodigesteur won yo kona e gbe di do be no le mi ga me le la te gbo be en te la ti te la la bo me voa o do la nono no do la nono me le me ke gbe o la o biogaza e amoko le et domaine à mes amoko on a dos suitia au monde ici et amoko on a dos suitia si bien bien ou néné ah oui monde ici ou la team ah ouais les québécois et ben les barres vides les va et les québécois et moi mes gros amis ah ben nous comme il doit do et moi mais ah y est beva on a gaz et nous les québécois on a do et autre qu'on est les moi mais ah allô et béni doanto béni do québécois et oui, mais de la gaz doit. Yemi sok bedi doa. Yemi dere noa mea. Le miona, le français me be bactérie. If ya, bactérie le. Kouyona be, le français me be bactérie méthanogène. Yemi kok bedi doare, biodigesteur amenenia. Bactérie ouanwe, et trona bedi doa le noa me. Et bien produit dans biogaz. Biogaz. Et non, et biogaz a des. A foukoule le mea, si bien que et minye be et gaz butana, nous ou be a zin la roumea, et dodo l'inti, ame ame, ou la be bazin reke ou ba, ou reke ou ba sizou, ou reke ou ba, ou nuit reke le bo, et a foukoule le, et be zanzan mea. Biogaz a foukoule le mea, et ni be yon ne zanzan wa. Biogaz a edonle ke mi on abe molecule bobolo le mi ke yo mi zanzon wa e ke mi wa e la to ke la agi le ou la me sendi ke la te bil mi le mi fa donc en wanti yen be amele le di biogaz a edo la vi amele ke nto la va wone la pwebo et bah devine et non et zandé a mis les bleus et bédido yo zana so on a rekebe biogaz a et le nom est pour mes amis pour le cibé et la fille de oua et
gazedo kaflanro et gazedo yo so wo likibinu et de ola tim zin la so likibinu a emile bon sali abe ola tim so danu ola tim so sizo no so gazedo wo ale awe ma yo no mo ya awa okay me ma no okay awa me ma no era mi gazi era no de gaza tu era no de gaza tu vo mi on le non non me le me ke na be gaza toi misana nous combien avait tuyo que miso donne vana gaz gaz adopo adopo de gaz ami que nana be konkoya vana kaka funu et y a des gazé et yeye alo yovo gazé que mi on a la home a yoso on a le kibino alo et des bito qui met togo zana que mi on a be gip moi et yoso on a le kibé le kibino gazé que gazé qui autour na li n'a pas home le vous be gazé moi au la tezin à soe voir au one li non non mais le me et non et biogaz à mille grimbe et mouni et nous pour la team sort à dos voir la team sort à six autres gens et l'équipe noire et débit tombé à missiami qui dit bébé wao biogaz l'eau et bah homéa de be mon popoli be bati wo le kibino alo e bio gaza e nono mi ding al do pe bio bo e hiana gobia alo hiana amesiame amesiame la te amesiame ke le di be wa o bio gaz na ya mi la te wo ni eni be gasia game e be di doli e c'est à dire que be tamnu ele dundule poto allo e si begbile allo e ndudule kegbile mon pata ola tezin aso wo biogaz no kaya mi ava mi bien enyalo ke e be duentia e mi so atiso kebe aso ni ne bimo ari mi se komia e nebe gbeli do onto chan asi ho le wa si won eh asi ho ho le wa si ba e jiji ami pone ku be bon mu ni enu wa si do mi la so kongbero kokolita mi wa tro so mo podi kokolita mi wa so mo podi mi abe agbodi e so mo podi enu ko tro do mi apwa e vivi to ela ni be mi apwa ta mi monji de kebe mo anti mi ni be e hian be biogaz ele egbe kebe ne et pelido ou on a pelido sous bois ou la team zan de kebenoa alors la team ya meko monje de kebenoa ntia wa kbelon ti obe pelido magbani et nous la sono podi hier mais sono podu podi ni kotro do voa et la kbelon ti obe a team so a tro so wo et nubu ne et au toa we y be tobe et les titres qui a au les zin la wa me sous bois be les zan ganon sous bois en et holio le ya la team a de mobe a biogaz ani yo no zan ori no zan so le funukudo biogaz affaire allo biogaz benya edidia nemi de energie renouvelable benya wa donc sou benya ko ni non ama nke oye mi mpo na mpo so kudo biogaz be enyanti go bio de amo mo dinti sou bo le mi ave et jamais fi ya enke nbe biogaz be no ame gbogbolo mo dinti si belle qu'il y a tant mais bien yo be o le pompo coré énergie renouvelable tia a messa be sous mien ndokusu voa a momnya be o la te sok be di don a so o gazon mi pona poko na renti le e nu ke mi on a be internet di voa kakana ko gbe a mon po a me long po le voici tout donc avec le temps elle en avait à mon lava kudo cha moko wana nene benoa om sougon le togo et wa be a me gbogolo om monje so e wa nyoto ala nyebe nyame ko monje le kementia nya o tutu ni a me pote o iba et so he o le gbe a ke o mo ene a me vi a me ton o nyare ki be mo o le e kodo me kopido me a e la pero a montibe watim agbele de to watim awore kebinu ake la pelu anti wa troso no wo e dole wa be agbele mi fer alore kebinu amni enu
mamie de pepe la tem mondi, le kibimantio ya, lo, school de leke, ou la y gobi, soko de kibimantia. Ah, ou moukambe, a school king bea, kouen, ni ve mouton. A me le pepe la tewe. Ya mea, dibe, ya pla lo kouonia, ya mi la te fin, a la moukoli, et doa mea, y gogoa, ou la fin le kouonia. Et non, et n'y a pas aïe, il y avait assez moins dit loi gamin et titre romantivo et non, non, mais qu'est meillé à fiqué au dit la war et biogaz abé et wadou et doare non, non, mais qu'est meillé fumado la non et dodo qu'est de la non fumanti qu'en boué pour la war de québé biogaz à l'eau à l'île dodo que de la nania NB amiava ni bien. Nous sommes en train de biodigesteur et les rami. Donc, à Nigbalo, nous sommes en train de biodigesteur et de domfis. Donc, nous sommes en train de bien, nous sommes en train de bien. Et nous sommes en train de bien, nous sommes en train de bien. Est-ce que domfis a mis la ronde à l'eau et biodigesteur avec matériaux que nous sommes en train de tonne ou polytank. Donc à mon pata mi brene kudo amia mi bien enya et te wa mia et mi prendre décision be et aller que la nuna mia va veve teni be ya amia gasia gamia et dola no do be di do be di do la no de que be amia si et nyon et nyon vide les camé les bomi les camé les bio cb et mi wona tutudo na mo so kudo de kibe no anti mon se mi plein zande avec be parce que mi on a tutudo na mo so kudo biogaz be et no anti ma mi envi ruben et rubu bo et les bio de kibe nya mi on a tutudo na mo so kudo le kibe et no anti mi on a tutudo na mo. Et non, et mille blé, biogaz, et ni, et nous, les kélé, et VVD, et nous, on a une activité. Bon, ma blombe, et so, biodigesteur avec le lomé. Et so, et bien le lomé. Donc, et à Melebe, et Dibo, on est où on a. Si belle king bien mi dola nya amene ne ke la ramia mi dola wo calcul o pata et te wa mia mi la ne e ka ke belaza a so wo installation et yon et ne mia akpo nya fofo a so kuro ri ke be e no ntia e de blensandi a be et mon popoli be ola tim je yodi le vapo sito e wa lo vapo sito so kudo de kebe no anti et ne owo de kebe biogaza no dui ani dare ari et asi tro tro de van no menti a lo no gbe dui dare po a ko gbe dui dare po le te kaka so ya no mi yen be na mi re be a de kato fifi et bien sûr le kebe et 300 000 bela de to la so le kebe biogaz a ne wa da dia ri ragwa no zanga so ku winti be aso jire do ya wa ni kia wa mi ya we gaz bitana no o we do ya ta mi wa o la da nu utrika utrika wa o la gba ira gba ve do ki wa mi ra be ye di be ye be ga ya a wa ekonomi vire wa ba to be ba do biogaz a ragwa wa no di gaz so winti ya de ki funa no na ro alo no do ya ni pe le ten kaka so ya ye mi de ania e le da re. Je suis à Nyaya, je suis à Mokobiago, et 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 nous avons fait un caca. Donc, nous avons suivi.
entretien Il est 98 109 08 44 bakudo 90 31 02 01 Eho, le kebe nyanti idodua eye nou amia batro akko e mene. Mi da kwe ni mi adometo lesia de limodando pia mi la kwa mi a fofo e Martin Udo Dandinou. E ne da kwe ni hado la nyo chan kewe nantinye miso. Le kebe wana nami outro ya fofo eme fofo Isaac e Silfi. Mi yon be Joel Kokou ni pou outro gaden koufan vividyan mi la tro senkonye le dukwa mi be nyan jojo me outro. Nous n'avons pas encore les médias de l'État ici à l'île Radio La Grâce, mais il y a un lundi. Bye bye. Pardon? C'est bon? Oui, c'est bon. Il faut rappeler le numéro. Ok, et pour Ruben, Mouboukbo, le numéro de M. Adjei, c'est le 98 69 08 44. Et puis le 90 31 02 01. Alors si vous voulez vous faire former dans l'installation des biodigesteurs, il est disponible pour vous accompagner. Merci beaucoup. Monsieur